Bonjour YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour voir comment récupérer le talisman d'arsenal plus 1, donc la version améliorée. Donc pour ce faire, on est un petit peu à l'ouest en fait des ruines de Lendel. Par rapport au départ en fait, on va juste remonter au nord, voilà, et on va continuer jusqu'au viaduc enjambant la forêt. Donc en fait on va partir du pont, on va partir sur la droite, on va faire en fait un espèce de grand demi-tour. On va essayer d'aller un tout petit peu et on va y être. Donc on est parti. Voilà, donc rien de bien particulier. On va pas rencontrer d'ennemis vraiment forts en fait sur cette zone. Même pour récupérer le talisman au final, si on arrive à esquiver suffisamment, eh bien on devrait pouvoir s'en sortir correctement. Donc là vous avez vu où j'ai positionné mon repère. Donc là je prends un tout petit peu à gauche pour trouver le chemin qui peut être escaladé. Voilà, hop. Donc là, du moment que vous êtes dans la zone avec les méduses, tout va bien. Hop, j'arrive jusqu'à mon repère. Alors, je crois que ça va être un petit peu plus à droite. Ouais, voilà, autant pour moi. Donc en effet, vraiment bien suivre les méduses, beaucoup plus que mon repère. Et nous voilà, hop, dans les grottes, fausse manip. On va appeler l'ascenseur et on va descendre. Voilà, donc le temps que la soit descend. Donc pour rappel, le talisman d'arsenal plus 1, ça vous permet en fait d'augmenter votre charge d'équipement max de plus 17%. Donc c'est pas négligeable, surtout en début de partie. Si vous commencez à vouloir vous équiper d'armure moyenne et lourde avec des grosses épées, etc., eh bien ça peut toujours vous aider. Donc là, vous avez vu, on a pris à droite directement, on s'arrête sur rien, hop. Là, il y a juste un petit saut qui est un petit peu voilà, pernicieux. Et pendant ce temps-là, vous avez un gars sur la gauche, hop, qui vous bourrine. C'est pas grave, ça passe. Et nous y voici. Talisman d'arsenal plus 1, Ghetto d'Azée. Et bien YouTube, on se laisse ici, sous le pluie de météorites. Et n'hésitez pas à liker et à t'abonner si la vidéo vous a plu. A très bientôt.